pensais que vous avez des talents pour l'italien, mais... C'est de la balle cette pasta party. Et donc ça ressemble à ça. Voilà, just for. On s'apprête à monter dans le mât. Et au petit matin, Corentin Auro va aller se rafraîchir les esprits. À l'en-haut du mât, on a enlevé la coupille. On va pouvoir descendre la roue d'été et repasser l'été provisoire textile. Alors vous voyez, il est équipé d'une tenue saillante, d'un gilet de sauvetage, d'un baudrier et d'un joli calbar en laine mérinos pour aller à l'avant du bout dehors pour renforcer la fixation du petit anneau dans lequel passe la tâche de notre spi là-bas. Et ça croise devant pour Guillaume Environnement. Ça nous donne l'opportunité de critiquer ces réglages. Alors, ça dit quoi? Ça renvoie ou quoi? Ah, un petit 25 nœuds avec 16-17 nœuds de vitesse. C'est sympa. Plutôt sur la route en plus. Et sur la route, donc voilà, on va en mettre des billes là, aux sudistes. Ah, c'est abusé ce qui nous arrive là. On est dans le poteau noir. On s'est perdu dans le poteau noir. Là, on s'est fait entuber, franchement. Ah, là, on est dégoûté là. Oh, par contre, ça cocotte. Hein. Oh, le cocotte, le pauvre! Fini le quart, on peut enlever l'attirail de protection du soleil et se détendre, et on va troquer ça contre une petite paire de bouchons d'oreilles pour éviter d'entendre Monsieur Auro chanter à tue-tête et pouvoir dormir paisiblement.